Bonjour à tous et à toutes, nous voici dans oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Donc aujourd'hui, je vais découvrir avec vous, hein, c'est une vidéo découverte de The Long Dark, donc un jeu de survie en vue à la première personne. Donc je ne connais pas du tout ce jeu. J'ai vu quelques vidéos quand même, mais voilà. Alors là, on se trouve dans le menu. Donc c'est un jeu qui est édité et développé par Interland. Donc là, je vois qu'en haut à gauche, j'ai apparemment 1 heure devant moi pour jouer. Donc c'est une période d'essai, tout simplement. Donc ça c'est quoi? Ouais. Ok. Part 1 Nomade, ouais, je sais pas trop quoi choisir. D'abord, est-ce qu'il faut choisir ça? Ah, il y a l'histoire aussi. Badjo, qu'est-ce que c'est? C'est sans doute des bonus, je suppose. Options, display, ouais. Ce titre, ça peut être pas mal, ouais. Langage. Ah, yes, français. Ah, ouais, non, mais ça, c'est d'accord, c'est la langue pour les sous-titres, sans doute. Ok. Enfin, je suppose, hein. Ça, c'est quoi? Bah, ouais, en 24 heures. Ok. Bah, ça me semble plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? L'audio? Ouais, ok. Les commandes, d'accord. Ça, c'est classique en fait. Le sac à dos, donc ça, c'est peut-être. Ok. Bon, on verra bien. Ah, attends, qu'est-ce qu'il dit? Sensibilité caméra. Oh, 50, ça devrait suffire. L'affichage. Oui, non, ça y est, ça a déjà été fait. Bon, l'histoire. Bac à sable. Ah, c'est bien ça. On peut faire l'histoire? Indisponible dans l'alpha. Incarné Will Mackenzie, un pilote de brousse qui s'est écrasé dans une zone inhospitalière suite à un mystérieux désastre géomagnétique. À vous de tout faire pour survivre. Ok, saison 1, épisode 1. D'accord. Donc il y aura un mode histoire. En fait, je pense si on achète la version finale. Bon, bac à sable, donc j'imagine. Bac à sable. La mort vous guette à chaque Ok, ça c'est quoi ça? Un truc. Ok, ça c'est quoi? Pèlerin, voyageur. Voyageur à la fois. Oh, ça va être d'accord. Ça va être. Ok. À la fois chasseur et pro, vous devez apprendre à maîtriser les éléments pour survivre. Pour les joueurs débutants, expérimenter la recherche d'un équilibre entre exploration et survie. Ouais, bah c'est un mode normal quoi, les animaux. D'accord, ça c'est le mode normal. Ok, ça marche. Le lac mystère, l'autoroute côtière, tiens. Ah ouais. Il y a quand même plusieurs trucs en fait. Pour joueurs intermédiaires, un littoral battu par les vents avec de nombreuses raisons d'attention à la fois. Donne sur le lac mystère. Donne sur le lac mystère, la vallée charmante et le site de désolation. Excusez-moi, je lis pour moi, donc du coup je n'articule pas. Lac mystère, l'idéal pour les nouveaux joueurs. Un juste équilibre entre étendue sauvage et abri humain. Ressources faune, donne sur l'autoroute côtière. Ben, je sais pas moi. En plus, c'est lequel qui va être en plein jour? Allez, tiens, une femme pour changer un peu. Choisir un nom d'emplacement ne peut pas être vierge. Quoi? Oh, j'en sais rien, moi. Allez, le nom de la chaîne. Nom d'emplacement. Allez. Immortal. 71. Tac.
Allez, on se dépêche. Ah, s'il faut perdre du temps à ça en plus. Allez. De toute façon, je ferai sans doute pas qu'une seule vidéo parce que bon, entre les temps de chargement, le temps de lire le menu comme j'ai fait, ouais. Donc comme je disais, c'est un jeu de survie où on devra justement donc apprendre on devra faire attention forcément à nous-mêmes quoi, donc à faire attention à notre fatigue, à la faim, à plein de choses. Alors les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes. Ah, j'ai même pas le temps de dire, je fais n'importe quoi aussi, il faut dire. D'accord, mode d'essai 54 minutes. Ah putain. Alors fais voir ça. C'est quoi ça? Aucun lore dans l'inventaire. C'est quoi l'inventaire déjà? Sac à dos. D'accord. Ah, j'ai déjà des trucs quand même. Donc je porte des chaussures, des chaussettes. Ok. En cuir troué. Je vais avoir froid avec ça. Protection légère correcte. Ouais, bah légère quoi. Un pull en laine, ouais, quand même, ouais. Sac de couchage, sous-vêtements thermiques corrects, ouais, ok, du tissu, ouais, bon, d'accord. Un bonnet, une boîte de sardines. Ah, elles sont serrées dedans. Ah bah si elles sont serrées, bah oui, mais c'est un peu normal. Antiseptique, une bouteille d'eau hein, pour soigner les plaies, ouais, ok. Antibiotiques, flacon, c'est pas mal. Tu pars déjà avec quelques trucs en fait. Les allumettes en bois. Ouais, à frotter sur n'importe quelle surface. Excellent. Combustible en petite dose conçue pour aider à allumer un feu. Bref. Ouais, quand même. Ouais, c'est bien quoi. C'est bien. Ça fait quoi si on voit par là? C'est marrant graphiquement quand même, hein. Je trouve que. Ouais, c'est assez marrant, je trouve, hein. C'est assez marrant. Par contre, le truc que je. Peut-être allumer la lumière parce que j'ai l'impression. Je sais pas si c'est moi. Je sais pas si ça va mieux. Ça. Ouais, bah je crois que c'est pareil, hein. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est un poil plus sombre avec l'appareil photo. Bon, d'accord. Bah bon, ça reste clair quand même. Je sais pas si vous entendez la fille. Elle a l'air d'avoir froid. Elle s'essouffle et tout. C'est assez réaliste. Je vais augmenter le son quand même. Par contre, je sais pas trop comment on voit une voiture là. Est-ce qu'on peut. Ok. Tricoté en coton sans fioritures, ce n'est pas aussi chaud que la laine, mais c'est mieux que rien. Bon, je sais pas, non, je vais peut-être te prendre quand même, non? Des fois que je pourrais comparer après. Alors après, bon, c'est vrai que le graphiquement, bon ben, normalement on devrait dire qu'on s'en fout, mais enfin, je veux dire, je trouve que c'est. Là, les textures des sièges et tout, c'est vilain quand même. C'est vraiment pas beau. Mais bon. Après, je trouve que la pâte artistique est vraiment très sympa quand même.
Bon, après, voilà, c'est un monde. Ah ouais, il nécessite un pied de biche. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un truc intéressant. Ah putain, il y a un lapin. Donc là, on peut courir en maintenant. Maintenant, par contre, pardon, la touche. C'est comment? Au-dessus de la touche RT, là. En haut à droite. Par contre, est-ce qu'on peut aller par là? Ah, le sac à dos. Alors, elle a vraiment pas chaud là. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, les sources de lumière, journal. Ok, fabrication, vêtements. D'accord, ok. Là, ça fait rien, et là non plus. Alors, est-ce que je continue? Ah, ouais, putain, y a un chalet là-bas? Ah, ouais, carrément, on va peut-être y aller. C'est quoi là-bas? C'est une cabane? Je passe une petite maisonnette là-bas, non? On va essayer de se dépêcher pour voir, pour y aller. Des fois qu'on pourrait trouver un. Comment? Faut que je trouve un endroit à l'abri du froid. Tu m'étonnes, quoi, j'ai envie de te dire. Voilà. Yes, toi! Hey, il y a plusieurs baraquements là. Putain, c'est la classe. Super. Sympa. Ouais, puis là, je viens de voir, ça sauvegarde quand on rentre dans une maison. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, puis c'est vraiment réaliste. Le lit, on peut dormir. Engourdi. Ah ouais, d'accord. Passer le temps dans ce qui réduira votre fatigue. Faire passer le temps en dormant, ce qui réduira votre fatigue et améliorera votre état si vous êtes en bonne santé. D'accord. Ouais. Ok. Réserve de calories. D'accord. Bon, je suis quand même. Mon état est à 100% quand même. Mais bon, je suis un peu engourdi quand même. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer là-dedans? C'est quoi ça? Coup de la décomposition. Y a rien là-dedans. Hein? Ah, du porc au faillot, mon gars. Une nourriture pour chien. Bah ouais, carrément. Alors, une bonne. Mais c'est toujours mieux que de mourir de faim. Quoique. Bah ouais, une boîte de pâté pour chien quand même. Une bonne boîte de Fido, bordel. Ouais, ça peut être bien ça pour brûler, faire un feu ou un truc comme ça. Hein? Oh, c'est pas mal ça. Eh, mais attends, le bois. Voilà, donc là tu récupères du bois. Ça c'est plutôt bien foutu. Oh putain, mais il y a un truc en dessous là. Il y a une caisse. Conteneur métallique. Ah, c'est vide. Ok. Ouais. Ah ouais, on peut récupérer les rideaux, c'est pas mal ça. D'accord.
Le casier, qu'est-ce qu'il y a? This stuff will come in handy. Des bottes de randonnée robustes, conçues pour les longs trajets sur terrain rocailleux, elles sont dotées d'une tige en cuir et reposent sur une lourde semelle en caoutchouc. 87%, 1,5. Ok, prendre. Nobody needs this anymore. J'espère que... Quoi? Pas lui ce qu'elle a dit, mais bon, c'est ce titre en français, c'est cool. Elle est belle la chemise, mon gars! Elle est chemise à carreaux usée, hein, un peu usée, mais bon. Chemise à carreaux en coton qui vous donne un style plus canadien, bien chaud et confortable. Hé! Hey, pas bon ça? Ah! Nécessite un pied de biche. Bon, c'est pas le tout, mais. Alors, de fou ça. Alors, comment on fait déjà? Non. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais reviens là, c'est pas possible ça. Ah bah, si je me trompe de bouton, on va pas y arriver les enfants là. Bon, non mais plus sérieusement, comment on fait? Mais pas un autre. Mais c'est fou ça. Ah, mais comment je fais pour porter le truc là? Non, mais c'est abusé. J'arrive pas à porter le. Non, me dis pas que je suis pieds nus. Ah, quand même. J'arrive pas à porter ce truc là. C'est fou. Quand je fais les actions, les réparer, recycler. Mais comment tu fais pour t'équiper de. C'est fou ça. Non. Eh, hey, c'est un truc de dingue. Alors, par contre... Ouais, pas très pratique ça quand même. Ah là là. C'est pas vrai ça. Pas possible, ça me semblait que... Ça me semblait que la télé était bien cadrée, mais c'est pas possible ça, sans déconner. Bon. Allez, c'est pas grave, ça ira comme ça. Voilà. Mais dis pas... Et pas que je suis pieds nus, c'est pas possible. Me dis pas que je peux sortir sans mes pompes, ça va pas, ce truc. Mais non. C'est pas possible, sans déconner. Comment je fais pour m'équiper? Non, elle s'en fout. Ah, il fait nuit. Puis merde, hein. Marche comme ça, hein.
Puis c'est tout, hein. Ben voilà. Je suis vraiment désolé. Ça me semblait bien cadré. Et puis finalement. Tu peux même pas t'asseoir dedans, c'est fou ça. Ah. Ok, j'aime bien les bruits, ils sont bien foutus. Ouais. C'est ouvert, c'est ouvert. I'll take it. Ah, c'est pas mal ça. Honnêtement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, ah, c'est quoi ça? D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, t'as raison, ça va être utile ça. Ouais, vaut mieux prendre ça quand même. Par contre, ouais, il y a un truc que je suis quand même un peu embêté finalement. Ah, les vêtements. Ah, bah voilà, c'est comme ça qu'on équipe en fait. Elle ressemble à ça, la fille. D'accord. Avec sa tête blanche et son nez rouge, elle fait très clown. C'est quoi dans un cirque quoi. Bon, bref. Donc, ça, c'est pas mal ça. Bonnet en coton, objet porté. Ouais, c'est abusé. Ça sert à rien en fait ce truc là. Ouais, non, non. D'accord. Ouais, et puis là, comme une conne, je suis en chaussette. Ah, mieux hein, de porter ça. Ah bah ouais, on peut y aller par les gâchettes, hein, putain, mais je suis vraiment désolé, je fais n'importe quoi. Mais... Bon bah déjà, ça c'est bien, je suis plutôt rassuré pour ça. Ça me manquerait une petite écharpe quand même. Ah mais sinon, attends, les gants que j'ai trouvés. Ah ouais. Voilà, je me suis équipé des gants. C'est pas mal du coup, c'est bien ça, c'est très bien ça. Ok, donc il me semble qu'on a fait le tour ici, hein, on va peut-être sortir. Voilà. Donc je m'excuse encore pour le mauvais cadrage, puis mon absence, pour, puis le blanc là, pour allumer la lumière et tout. Enfin bref. Ah, ce sont les aléas du direct, hein, ce n'est jamais parfait. C'est sympa, la neige qui tombe. Et moi, je trouve qu'il y a une très bonne ambiance. On se sent tout seul et tout, c'est marrant. C'est marrant, c'est vraiment sympa. Est-ce qu'il y a des trucs à récupérer par-ci, par-là? Finalement, je crois qu'on aura passé tout le temps juste rentrer dans des cabanons. Mais bon. Peut-être plus de trucs à récupérer là, non? This stuff will come in handy. Ouais, c'est pas mal ça. Combustible en petite dose conçu pour aider à allumer un feu, essence. Ouais! Après, idéalement, en plus, je crois qu'il y a assez de bois en plus pour faire un petit feu là.
Mais bon. Ouais, ça, c'est quoi ça? Ah! Ouais, je sais pas. Faudrait quand même que je revérifie si je les garde ou pas, mais. En nylon légère ou pas presque imperceptible. C'est un peu mieux que de se balader pieds nus, mais pas de beaucoup. Ouais, on va les laisser quand même. Je pense pas que. Déjà, celle que j'ai récupérée, elle est pas mieux, je suis même pas sûr de la garder. Et donc, non, puis elles sont toutes abîmées en plus. Il n'y a rien en dessous du lit. Bien si. Bien sûr que si. Ok. Hop. Nickel. Voilà. Et j'aime assez bien. La façon de se lever, c'est pas aussi rapide que dans certains FPS. C'est assez lent. Ça peut paraître bête ce que je dis, mais j'aime bien. Comment on fait déjà pour voir son statut? Ah non. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Non, non. Non, mais range ton truc. Voilà. Ensuite. Comme ça, peut-être. Non, non, non plus. Alors, comment on fait? Installation du camp, stimulant d'urgence. Allez, mettre un carton. Ok. Mince, donc on maintient le bouton, voilà, au-dessus de la gâchette droite, hein, je sais plus, ça devait être LB, je crois. Ça devait être LB. Journal. Qu'est-ce qu'il dit le journal? Ouais, c'est pas mal de montrer le journal un petit peu. Donc on montre où est-ce qu'on en est. Voilà. Mon état est passé de 100 à 100. J'ai brûlé 695 calories. J'ai subi les blessures suivantes. Rien. J'ai visité les lieux suivants. Autoroute côtière, camp de pêche, cabane de pêche. Jour 1. Ok. Ok, c'est pas mal. Tiens, un journal, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc, on retourne dans le sac à dos. Là, ça, c'est quoi ça? Ah, évidemment que c'est froid, tu penses. J'ai de l'eau potable. Ah ouais. D'accord. D'accord. Ça marche. Je sais même pas comment on fait là. Ouais. Ah ouais, non, c'est là. Ok, ça marche. Ah, j'ai soif et j'ai faim. Ok. Eh ben écoutez, moi je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite, les enfants. Allez, merci beaucoup. À tout de suite.